Et salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 6 sur Scrap Mécanique. Non, My Summer Car. Excellent, j'allais me tromper de jeu déjà, tiens. C'est pour vous dire que j'ai quand même pas mal bossé sur Scrap Mécanique pour vous offrir un prochain épisode d'enfer. Putain, ça y est, elle a... Ça y est, elle danse la lambada, ma moto. Alors, du coup, on va aller... on est quel jour? On est dimanche, d'accord. Alors, j'ai reçu un job pour aller avec le tracteur déposer du bois. Le problème, c'est que, premièrement, bah... Enfin, il n'y a qu'un problème, en fait, c'est que... C'est que il y a le rallye. Ouais. Si on peut éventuellement assister à ce rallye. Eh merde, putain, ça y est. Putain, à chaque fois je sors ma tronche, il pleut quoi. On va essayer de rouler jusqu'au rallye, j'espère que ça va s'arrêter de pleuvoir durant la journée. On va avoir une belle drèche sur la gueule, je vous le dis. Hein. Ouais, ouais. Ça va. Je vois rien. Freinage. Putain, je vais me calmer un peu parce que s'il y a le train qui arrive juste en face de moi, je suis pas bien là. Alors, apparemment, il y a un rallye ici. Et... Ouah. Putain, ils sont fous, quoi. Attendez, j'ai une idée. Lumineuse. Et si on s'amusait un peu? Ouais. Je la sens bien, cette histoire. Bon, malgré qu'il pleuve, je m'en fous. On va quand même regarder ce rallye. Hein. On va peu assister à ça. Ouais, on est quand même spectateur de quelque chose d'unique. Bon, même si c'est toutes les semaines, mais bon. Au moins, on pourra dire qu'on a assisté à un rallye officiel en Finlande. Bon, maintenant, ça doit juste arriver qu'il n'y ait pas de voiture ou qui arrive. Ouais, regardez. Oh, oh putain. À mon avis, je l'ai déconcentré, le gars. Eh ben, t'as un problème? il a pas l'air content, là. Allez, vas-y, roule. Ah, je vais le pousser un peu. Ouais, c'est comme on fait dans les vrais rallyes, hein. On aide les pilotes quand ils se... Ah oui, il est... C'est bon, il est reparti. Excellent. Tant de merde, hein. Franchement. On pouvait pas rêver pire que ça. Bon, ce que je vais faire... je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, il doit être quelque chose comme une heure de l'après-midi ou un truc comme ça. Donc ce que je propose, c'est qu'on retourne à la maison, on va un peu travailler sur la voiture, et on va voir ce qu'on peut faire pour cet épisode-là, parce que là, pour l'instant, avec cette pluie, et le rallye en plus... Allez, c'est parti. Oh putain! Fuck! Non! Oh non! Oh, oh merde! Ah non! Putain, j'ai commencé à déraper, je savais plus quoi faire. Tourner à gauche, à droite et là en fait j'aurais dû me laisser tomber quoi. Ah là là! Quel cauchemar! Bon bah... C'est reparti pour un tour. Bon, bonne nouvelle. On va se retrouver au cimetière de Perajärvi. Donc ça va quand même nous permettre de... J'espère qu'on est en semaine.
Donc on est encore toujours dimanche, c'est la merde. Ce que j'aurais préféré. Ah non, trop tard. Merde. Comment on va faire? Je vais voir quelle heure il est, d'ailleurs. Ok, il est que 2h de l'après-midi, on est mal barré. Ah non, il est 6h de l'après-midi. Ok, d'accord. Enfin, 6h du soir, en fait. Ce qu'on peut faire, éventuellement... Il y a encore de l'essence là-dedans? Bon, à mon avis, il y a encore de l'essence. On va aller appeler notre ami cousin. Hein, il s'appelle cousin, en fait. C'est un ami, mais c'est un cousin. Du coup, je vais l'appeler pour venir me chercher. Ok. Merde. Allô? C'est qui? Écoute, maman est près de toi? Oui, elle est dans sa salle de bain, elle se lave, elle est toute nue. Bon, allez, je raccroche, il va venir me chercher. Du coup... voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, je suis sûr, en fait. Est-ce qu'on peut frapper? Wouah, excellent! Alors, par où ils vont les nuages? Ok, ils viennent par ici. Donc, à mon avis, on va avoir une drage dans les 5 minutes qui vont suivre. Pour vous, ce sera peut-être dans les 5 secondes qui vont suivre. Oh, mais tiens, qu'est-ce qu'il fout là, mon filtre? Il est nouveau là? Mais c'est quoi cette histoire? À mon avis, le jeu, il est bugué. Hein. Je sais pas vous, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui commencent à apparaître vraiment à la One Again, quoi. Merde. Tout à l'heure, ça passait quand j'avais essayé là avec l'en... Bon, je vais le laisser ici. Ah, je peux fumer et regarder l'heure en même temps. Excellent. Ah, merde. C'est pas voulu, ça. Attends. C'est quoi la touche? Oh, merde, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais apparemment, c'est ce qui s'est passé, quoi. Ah, il y a mon cousin. Ouais, j'arrive. Je peux fumer dans ta voiture. Attends, hein, je m'installe. Ok, vas-y. Roule à ton aise quand même, hein. Je tiens ma vie. Je serai mort que 5 fois. En 3 jours. Hein. Alors, du calme. Ok. Par contre, lui, il a toujours une cigarette en main, mais il l'allume jamais, quoi. Quel con. Espérons d'arriver à temps, parce que je sens que l'orage va passer juste au-dessus de ma maison, et c'est pas bon, ça. Parce que mon téléphone est branché, à mon avis. On risque d'avoir un petit incendie. Ouais, je préfère quand il roule à son aise, hein, Franck. Bon, apparemment, le rallye est terminé, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est ici, on va devoir apporter les ballots de paille, mais je sais pas où. Ça, il faudrait que je regarde sur le net comment ça fonctionne, cette histoire de job et les ballots de paille à transporter. Ouais, ben on va avoir la drache, hein. Dans 2... Dans 5... 4... 3... 2... 1! Bon, maintenant c'est encore plus dangereux parce qu'il roule comme un taré, donc... on va devoir faire extra attention, enfin... C'est lui qui doit faire attention, surtout. Ah bah dis donc. C'est vraiment pas de bol, hein. Mourir de cette façon. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter au chemin de fer et je vais lui demander de me déposer et je vais aller à moto. Parce que la moto est pas loin, hein. Enfin, je pense. Allez, petite ellipse jusqu'à ce que j'arrive à la moto. Ce qui serait génial en fait, enfin non, ce qui serait con en fait, c'est de mourir de l'orage, quoi. Se faire attaquer par un... Enfin, se faire toucher par la foudre. Ce serait vraiment le coup de pas de bol, quoi. Ah, il est là. Ok, bon allez, merci, hein, et à la prochaine. Ciao. Vas-y, tu peux y aller. En plus, je suis pas mort loin, hein. Peut-être encore les traces de sang et tout. Malheureusement, il n'y a pas tout ça. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir mon... Ah! Il y a un train. On va essayer de l'éviter, hein.
Et je parle pas de l'éviter en volant, quoi, mais essayer de l'éviter, quoi. Putain, la moto, elle a disparu, quoi. One again, a beast to fly, quoi. Ça me plaît pas trop, ça. C'est quoi? Petite ellipse, je reviens juste après. Ok, re les amis, je pense avoir trouvé l'endroit où est ma moto, puisque je viens de le voir sur les images de l'enregistrement. La moto, en fait, elle devrait se retrouver, si mes calculs sont bons, au début des rails, en fait. Et à mon avis, je l'ai zappé tout à l'heure quand j'ai tourné. En fait, j'ai coupé court, quoi. À mon avis, le train l'a emporté, mais plus loin. Putain, j'ai vite soif, ça. C'est quoi cette histoire? Alors, j'ai remarqué qu'en bidouillant les fichiers, parce que avec l'enregistrement que j'ai foutu en l'air tout à l'heure, j'ai dû bidouiller un peu les fichiers, j'ai remarqué que notre personnage a un poids. Et honnêtement, je sais pas si ça a une incidence sur le gameplay, parce que j'ai pas l'impression que je cours plus vite ou quoi. Donc à la base on pèse 80 kg et là j'ai changé, j'ai mis le truc à 60 kg, mais moi non, à mon avis ça n'a pas d'incidence. Ah putain, vous voyez, j'avais raison, la moto était bien, elle a été emportée, mais avec la vitesse du train, à mon avis elle a été éjectée jusqu'ici, quoi. Vous imaginez un peu, c'est ouf quand même, hein. Bon, c'est bien, tant mieux. On va pouvoir repartir sur des chapeaux de roue et essayer de ne pas mourir cette fois-ci. Ce serait quand même bien, quoi. Hé ! Non ! Mais c'est quoi ça ? Écoutez, on va couper court, hein. Je pense que j'ai quand même perdu pas mal de temps. Je vais m'arrêter là. Moi, je vais vous dire à très bientôt, hein, pour un prochain numéro sur My Summer Car. Mais là, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Je suis entre la tristesse et la rage, là. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.